Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bon, alors, je t'explique, je bouge ça. Je me vois bien, ça va. De toute façon, on s'en fout. Le volet est fermé parce que il fait très soleil. On est le 4 octobre 2018. Il est 15h06 de l'après-midi. Vidéo sur le tarot. Alors, je regarde par là parce que ma caméra est là, mais mon écran de contrôle est là. Donc, de temps en temps, je regarde là parce que j'ai pas l'habitude. J'ai un nouveau trépied. Pour la caméra, peut-être que tout ça est pas droit, mais en fait c'était plus facile parce qu'avec les trépieds, je peux faire un truc du genre comme ça, tu vois. Bon, là on voit mon micro. Voilà, je peux faire ça avec le trépied, ce que je pouvais pas faire avant. Comme ça, tu vois mon ventre en plus en même temps. Alors, je sais même pas comment on règle le zoom. Bref, t'entends que ma voix elle merde un peu. C'est la période des rhumes, etc. Mais voilà, donc nous sommes le 4 octobre 2018 et je vais faire une vidéo sur le tarot. Ça fait longtemps, je t'avais dit que j'en ferais des nouvelles et j'avais pas envie de le faire, mais maintenant j'ai envie de le faire. Alors aujourd'hui c'est l'empereur. Alors l'empereur, pour moi ça n'a pas été une carte facile à interpréter. Oui, il y a l'interprétation des livres, évidemment, mais au-delà de l'interprétation des livres, tu as une interprétation qui doit être personnelle, c'est-à-dire que quand tu fais un tirage de cartes, etc., l'interprétation que tu fais, si tout le monde se fie aux livres, ben, en fait, tu vas avoir 1 000 gens qui vont tirer les cartes et 1 000 personnes qui vont te dire la même chose. Donc l'important, c'est d'avoir une interprétation personnelle, une interprétation qui est à toi, c'est ça que ça veut dire personnel. En même temps, tu peux pas t'égarer du livre non plus. C'est pour ça que je précise aussi que les interprétations que je fais sont des interprétations qui me sont propres et que je sais qu'il y a des puristes qui me disent oui, mais telle carte, elle veut dire ça aussi, et tu le dis pas, et machin, et brôle, etc. etc. Non, je le dis pas parce que si c'est pour vous dire des choses qui sont dans les livres, autant que je vous conseille 2-3 livres et que vous vous démerdiez tout seul. Moi, ici, l'idée, c'est de vous apporter une interprétation différente du jeu et de ne pas vous dire ouais, ben. C'est ça, c'est ça, c'est ça, et que vous vous disiez, mais en fait c'est dans les bouquins, pourquoi il vient me faire chier avec sa vidéo à la con, il me fait perdre 7 minutes, et en fait c'est dans les bouquins. En même temps, on ne peut pas s'extirper, s'échapper non plus de ce que les bouquins disent, parce que les bouquins, ben, le tarot de Marseille a une symbolique, et cette symbolique est assez importante, puisque techniquement c'est cette symbolique qui permet justement d'avoir une interprétation correcte de la carte. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire. C'est pour ça que je fais mon interprétation et que j'insiste sur les vidéos, c'est bien mon interprétation dont il s'agit. Et ici, on est avec l'empereur. Alors déjà, la première question que devez vous poser quand vous avez une carte devant vous, quel que soit le jeu, c'est pas qu'une question du tarot de Marseille, etc. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce que cette carte m'évoque? Quand je vois cette carte, qu'est-ce que je vois? Alors là, moi, je vois une carte avec un monsieur qui est assis et en même temps, il est debout, c'est-à-dire, tu vois, il est assis sur son trône, mais en même temps, tu vois bien qu'il n'est pas assis, les jambes fléchies complètement, il n'a pas les pieds qui touchent pas le sol parce qu'il n'est pas grand, etc. Il est, on va dire, appuyé sur son trône, mais en même temps, il est debout. Donc ça, c'est déjà la première chose que tu dois te dire. Il est habillé en bleu. Bon, je vous rappelle que le bleu est une couleur qui symbolise d'une certaine manière la spiritualité. Il porte du rouge, le rouge, c'est la matière. Il porte de l'or aussi, beaucoup d'or, c'est la matière. Alors, assez. Au pied de son trône, moi je dirais que c'est un bouclier. Elle me tombe. Moi je dirais que c'est un bouclier. En fait, ce bouclier représente. Ça va faire la mise au point ou pas? Est-ce que ça fait la mise au point? Voilà. Ce bouclier représente un phénix doré. Alors le phénix, il symbolise quoi? Il symbolise la renaissance. Alors à partir du moment où vous avez des symboliques que vous ne comprenez pas dans le jeu, ce que vous faites, c'est tout simplement aller sur Internet et rechercher les symboliques celtiques. Pourquoi les celtiques? Parce que pour moi, ce sont les plus fidèles symboliques et les plus précises. Donc quand vous ne connaissez pas la symbolique de quelque chose, référez-vous-en à la symbolique celtique. Alors donc l'empereur, il a un phénix doré. Et on va dire presque il est assis dessus, hein, tu vois. Il est assis dessus. Il est assis dessus presque, tu vois. Et ce phénix doré, ben, il symbolise la Renaissance, mais le doré symbolise une haute spiritualité. On pense souvent, et c'est vrai, que le doré symbolise la matière,
En fait, c'est la spiritualité ancrée dans la matière. Alors après, moi, je suis pas alchimiste. L'alchimie, c'est pas le domaine dans lequel je me suis le plus penché. Donc, il y a des alchimistes qui vont dire oui, ça représente ça, ça représente ça. Tu vois, la pierre philosophale, etc., etc. Moi, c'est pas trop mon domaine de compétence. Donc, pour moi, ici, le phénix va symboliser, étant doré, la renaissance de la spiritualité dans la matière, l'ancrage de la spiritualité dans la matière. Alors, l'empereur, il regarde. La carte numéro 3, quand tu poses les cartes, attends, et là je vais bouger ma caméra et mon micro. Quand tu poses tes cartes, les unes à la suite de l'autre, je vous avais dit dans une autre vidéo que les cartes, elles racontent une histoire. Hein. Alors moi j'avais commencé le jeu avec le mât, le battleur. Il est où mon mât? Quand tu mets tes cartes, tu vois ton truc qui fait une histoire. Hein. Tu vois que le mât, il va vers le battleur qui lui regarde encore son passé. Et puis tu as la papesse qui vient ici pour donner des nouvelles connaissances qui vont permettre d'ancrer. Je me demande si j'avais fait l'impératrice ou pas. Je ne sais plus si j'avais fait l'impératrice, si je l'ai pas faite. Tu verras pas cette vidéo tout de suite et je ferai l'impératrice à un autre moment. Pour qu'il y ait quand même une. En fait, j'ai plus accès à Internet depuis un peu plus d'une heure et donc je n'ai pas vérifié quelle carte j'avais fait en dernier. Il me semble que j'avais fait la papesse et pas l'impératrice. Donc, l'impératrice regarde plus vers l'empereur. Tu vois que son regard, il est plus tourné vers sa gauche et l'empereur est là et regarde l'impératrice. Alors, certains diront, c'est normal, il s'en réfère à sa femme, etc. Les femmes ont toujours raison. Ouais, tu peux le voir comme ça aussi. C'est-à-dire que. L'empereur, il ne va pas prendre cette décision tout seul, il va en référer à quelque chose ou à quelqu'un, et ici, ben, il va en référer à l'impératrice. L'impératrice, elle marque une sorte de coupure dans le jeu, c'est-à-dire que tu as la papesse qui regarde encore le passé, et puis il y a une sorte de coupure, et à partir de l'impératrice, on regarde plus vers l'avenir. Et donc l'avenir, c'est l'impératrice dont j'ai ou je vais parler, je ne sais plus, et l'empereur. Alors l'empereur, bon, puisque je suis sur la vidéo de l'empereur, l'empereur, il tient un sceptre dans sa main, et tu vois, il ne le tient pas au sol, il le tient droit, ça veut dire que vraiment, il a ce besoin de... Presque de montrer quelque chose de guidé, il s'ancre pas dans le sol, il va vraiment vers l'avant avec son sceptre, même si son avant c'est son passé, c'est son impératrice. Alors l'empereur et l'impératrice, ils forment un couple hein, contrairement au pape et à la papesse, si tu as remarqué, c'est que la carte 3 c'est l'impératrice, la carte 4 c'est l'empereur, donc elles forment vraiment un couple, alors que la papesse, ben, c'est la numéro 2 et que le pape c'est la numéro 5 si je me souviens bien. Donc en fait, ils ne sont pas en couple. Alors tu vas me dire, c'est normal, dans la religion, ils peuvent pas être mis en couple, etc., etc. Mais techniquement, c'est pour te dire, il y a vraiment un couple décisionnaire ici dans le tarot. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il va symboliser? Pour moi, c'est une personne de référence, c'est-à-dire quelqu'un à qui on va venir demander conseil quand on en a besoin. Alors l'empereur, c'est quoi? C'est une personne qui, en fait, va avoir une certaine forme de spiritualité, mais aussi, puisque tu as la spiritualité représentée par le doré, mais il va aussi avoir une connexion à la matière avec son rouge qui est présent ici, à la terre, tu vois, c'est ça que le rouge présente. Le rouge, il est dans les parties supérieures, donc ça veut dire qu'il arrive à ancrer ses parties supérieures dans l'inférieur, c'est-à-dire dans la matière, puisque le rouge représente la terre, et la terre est plus dans le supérieur de son être. Enfin, il est habillé de rouge au-dessus, quoi. Le bleu, lui, il est un peu présent partout, et en fait, ce bleu va symboliser donc cette forme de spiritualité qui s'empare de lui d'une certaine manière et qu'il peut après retransmettre et transmettre aux gens. L'empereur, dans un tirage, c'est une personne de référence, c'est-à-dire souvent une personne plus âgée, comme le disent les livres, et si je prends référence aux livres, parce que comme je le disais, on ne peut pas faire l'impasse sur les livres qui ont quand même une explication de la symbolique, et donc en fait c'est une personne de référence. Mais pour moi l'empereur c'est vraiment quelqu'un qui va aussi avoir une très grande spiritualité, une très grande sagesse, et que parfois cet empereur n'est pas forcément une personne extérieure, une personne physique, une personne existante, ça peut aussi très bien être faire appel à ta sagesse intérieure. Alors évidemment dans un tirage professionnel, bah, je vais vous donner un exemple puisque là j'ai avec mon trépied la possibilité de faire... Un tirage, on va dire comme ça, je prends du pif. Hein. Voilà. Imaginons, voilà, là t'as un tirage, je bouge un peu pour pas bouger tout. Voici, je vais bouger tout. Voilà. T'as un tirage où la personne te demande une question au niveau professionnel. Tu as l'amoureux qui représente la personne. Pour les méthodes de tirage, j'en avais proposé sur l'oracle de la triade et sont valables aussi pour le tarot.
Mais peut-être qu'à l'issue de toute cette vidéo, j'en ferai. Donc la personne a un choix à faire. Au niveau professionnel, ça peut paraître clair, puisque si elle te pose une question, c'est qu'il y a une décision à prendre et un choix à faire. Il faut aussi avoir de la logique quand on fait un tirage, c'est-à-dire que la personne vient et te pose une question au niveau professionnel, c'est qu'elle cherche une évolution, elle cherche un changement, elle cherche des confirmations ou des affirmations. Donc techniquement, c'est pas que forcément tout va bien au niveau professionnel. Les circonstances extérieures, c'est-à-dire le professionnel. Au niveau circonstances extérieures, on peut penser que c'est le patron ou les collègues, etc. Ben, il y a le mat, donc il y a le côté un peu fouillant, mais il y a aussi la possibilité d'avancer, d'évoluer, d'aller vers son futur, même si ton passé peut parfois te raccrocher un petit peu. De toute façon, dans les influences, entre guillemets, incontrôlables, c'est la carte 13 la plus redoutée, celle de la mort. Il y a un sketch génial avec Eric Antoine sur le tirage de tarot, j'aime beaucoup. Elle va te dire, mais en fait, de toute façon, il y a du changement qui va se profiler, inévitablement, et pour que ce changement se profile, il va falloir que tu puises en toi des ressources que peut-être tu n'as pas. Ça va symboliser les ressources intérieures. Je suis pas encore arrivé à cette carte-là, mais pour que ces changements puissent s'ancrer, il va falloir que tu fasses appel à des ressources intérieures qui vont te permettre justement d'aller au mieux vers ce changement. Et l'empereur va symboliser justement, alors je ne l'ai pas fait exprès, j'ai choisi au hasard entre guillemets. Ma prochaine vidéo, ce sera sur le hasard et les coïncidences. Je voulais la faire ce matin, finalement j'avais pas envie, donc je ne l'ai pas faite. L'empereur va te dire, ben justement, c'est en faisant appel à ta sagesse, à ton côté adulte, à ton côté raisonné, à ton côté réfléchi, mais aussi un petit peu à ton intuition, parce que cette réflexion vient en partie de ton intuition, que tu vas pouvoir justement stabiliser ce changement. Donc sur un changement professionnel, ce tirage-là, il va te dire, yes, il y a du changement, c'est bon gros, tu peux y aller, fonce, fonce, fonce. Mais attention, parce que il va falloir aussi dans ton changement que tu fasses un pas sur ton passé, c'est-à-dire que tu ne dois pas comparer ton présent à ton passé, c'est ce que la carte du mât va symboliser aussi dans ce tirage. Donc pour revenir avec l'empereur, par exemple, de manière plus classique, et là on revient sur l'interprétation des livres, quand une femme te pose une question au niveau sentimental, tu peux dire qu'il y a un homme un peu plus âgé qui va rentrer dans sa vie, ça c'est ce que symbolise l'empereur, mais c'est un homme d'influence. Donc ça veut dire aussi qu'il n'est pas impossible qu'au niveau sentimental, il y ait un blocage à cause d'un homme d'influence qui peut représenter aussi éventuellement le père. Donc au niveau sentimental, le père peut bloquer une relation, le père de la dame ou le père du monsieur éventuellement. Et puis parallèlement, en fait, il y a certaines influences qui représentent l'autorité paternelle. C'est pas que le père, c'est l'autorité paternelle. En d'autres termes, c'est celui qui fait figure de père. Et celui qui fait figure de père, ça peut être toi, à l'intérieur de toi, parce que c'est pas toujours ton père, c'est parce que tu veux pas décevoir ton père, et donc tu hésites à faire certaines choses, parce que ton père t'avait dit toute ta vie que tu ne devrais pas épouser un trop riche, parce que après tu sauras plus quoi faire de ton argent. Et en fait, c'est la référence au père. C'est pas forcément le père qui se présente dans le jeu. C'est pas forcément le père qui va se présenter dans la vie de la personne. C'est la référence au père. Les croyances reliées au père, les influences transgénérationnelles reliées au père, les pensées par rapport au père, la peur de décevoir, le besoin de reconnaissance. Enfin, c'est tout ce genre de choses qui est relié au père. C'est une carte très spirituelle. Ça veut dire que aussitôt apparue dans un tirage, elle va évoquer un besoin vraiment de travailler sur soi, sur ses racines aussi, parce que l'empereur, avec ses racines ici qui sont dorées, ça veut dire qu'il y a un besoin de travail sur les racines. Le sol est doré, le phénix est doré, etc. Ce besoin de travail sur les racines est vraiment important. L'empereur, il va t'appeler à regarder derrière toi aussi, sans pour autant comparer, mais au vu de sa vision, de son. Ouais, mais là, tu vois plus. Au vu de son regard qui part vers. Hop. Son regard part en fait vers sa droite, mais quand toi tu as la carte en face de toi, il part vers ta gauche. Donc en fait, cette carte va t'appeler à regarder ton passé et à lâcher ton passé. C'est-à-dire, voilà, je rentre dans un nouveau boulot, dans une nouvelle relation, dans un nouvel appartement, peu importe. J'ai besoin de mettre mon passé derrière moi et d'aller de l'avant aussi. Et le sceptre, il va symboliser d'une certaine manière, au-delà du pouvoir qu'il symbolise, c'est le pouvoir de ton passé. C'est-à-dire, tire les leçons de ton passé, va vers quelque chose de nouveau, va vers quelque chose dans lequel ton passé est utile, mais n'est pas un poids, n'est pas un fardeau. Et là, tu vas pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, ça c'est une interprétation un peu globale, mais comme ça, vous voyez l'idée. C'est une carte que j'ai eu beaucoup de difficultés à interpréter. Alors celle-là, donc l'empereur, l'impératrice, le pape, la papesse sont des cartes avec lesquelles j'ai eu pas mal de difficultés au tout début quand je jouais au tarot, on va dire. Mais c'est vrai que paradoxalement, c'est des cartes qui sont intéressantes parce qu'elles vont vraiment faire une référence d'équilibre entre la spiritualité et
La matérialité. Et c'est là où, en fait, dans cet équilibre, on peut trouver sa renaissance avec le phénix qui est quand même présent sur cette carte, tout comme il est présent sur la carte de l'impératrice, puisqu'il forme un couple. C'est un couple royal qui a son emblème, et l'emblème, c'est le phénix. Ici, il est présent dans la même configuration, c'est-à-dire, il est présent, c'est le même phénix. Il est présent sur le même fond, qui est un fond beige, et le beige représente l'humain quand même, hein, c'est-à-dire que la couleur beige, c'est une couleur chair, donc ça représente l'humain. Donc le phénix va appeler l'humain à trouver une renaissance spirituelle, une renaissance dans sa vie aussi. C'est vraiment le message de ces deux cartes. Alors ici, je vais faire la carte impératrice juste après, parce que je ne sais plus si je l'avais fait avant ou pas, parce que je n'ai plus accès à Internet et que ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo à ce sujet. Donc dans ma logique belge, gauloise, je fais la 3 après la 4, ce qui est tout à fait normal quand tu habites en Belgique, tu as l'habitude de faire des choses de travers. Donc je le répète, j'ai plus Internet depuis 1 heure et demie à peu près, il est 15h21, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui toutefois. Ce qui se passe, c'est que j'ai Internet sur mon Wi-Fi sur un autre PC, mais pas sur celui-ci. Donc je me demande si c'est pas ma carte réseau qui est pétée. Donc je vais devoir vérifier ça. Je vous dis à tout de suite pour la carte numéro 3 et je vous dis à bientôt pour la suite. Comme je le disais hier, j'ai fait une vidéo sur comment parler de spiritualité aux enfants. Je voulais rajouter un petit truc pour les gens qui l'ont vu. Vous pouvez aussi leur laisser des livres à disposition, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des bibliothèques, j'en ai blindé, quand vous voyez. Hop hop, je prends ma caméra. Là, tu vois ma tête. Regarde. Quand tu vois mes bibliothèques. Et j'en ai une autre derrière de bibliothèque. Donc, il y a blindé de bibliothèques dans la maison. Moi, je dis souvent aux filles, bah, si tu veux telle réponse, il y a tel livre, hein, surtout à la grande plutôt qu'à la petite. Donc, ouais, quand vous voulez parler de spiritualité aux enfants, pour pas leur imposer vos croyances, c'est parfois intéressant de leur proposer des livres, même si elles ne puissent pas des masses pour l'instant. Mais voilà, un jour viendra où il y a accès. C'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose de fermé. C'est pareil pour les tarots, ils sont à disposition dans une caisse, dans ma bibliothèque. Voilà quoi. Bref, je vous dis à bientôt. Je coupe ici et je vous dis à bientôt.